ほら、もう一度下ろせ。下ろせ。前へ、斜め。ダブル。更新をしてもらう。足踏み、始め。一周。一周。一周。一周。前へ、スイ。肘、指先しっかり伸ばすぞ。It's sure. It's 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 sure. La prison de Fuchū est l'une des plus importantes et des plus sévères du Japon. Elle n'est pas une prison modèle et le traitement pénitentiaire qui y est appliqué est tout à fait représentatif des pratiques courantes dans les autres prisons du pays. Le jugement s'est fait après 3 mois. Donc, j'ai été condamné à 3 ans de prison. Donc les contacts se faisaient dans ce quartier à Changkunchen qui est l'antre du business pour les Indiens, les Népalais, les Pakistanais. Et donc à ces endroits, dans ces petits chai shop où on vient boire le thé. Étant donné que les Népalais étaient interdits de séjour sur le Japon à cause du trafic, ils venaient ici pour chercher les jeunes voyageurs qui étaient des proies en fin de compte pour leur business. Moi j'ai été contacté par un Suisse qui avait déjà fait ce genre de run et il m'avait mis en contact avec le Népalais pour faire un voyage, pour faire le run. Ça te rapportait combien? Bon, c'était 1000 dollars américains. On est monté dans la chambre ensemble. Là, c'est allé très 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 vite. Je me suis déshabillé, ils m'ont ceinturé avec de l'adhésif, le kilo de hashish. Là, j'ai sauté dans le taxi, je suis parti. Arrivé à l'aéroport, j'ai même pas eu le temps d'enregistrer mes bagages. Je suis monté direct dans l'avion avec mon sac. Mais arrivé à Tokyo, je suis descendu, je suis passé au contrôle et là, j'ai été interrogé de suite. Je viens de Toulouse et j'ai arrêté mes études, j'ai entrepris de voyager pour compléter un peu ma culture et notamment mon anglais. Et donc je viens de Thaïlande, enfin, j'ai visité un petit peu différents pays tels que le Népal, la Thaïlande, le Sri Lanka et puis notamment le Japon. Et donc j'ai rencontré diverses personnes et on est venu ici au Japon et c'est là que j'ai eu cette en fait. Donc j'étais arrêté à l'aéroport de Narita avec une quantité, donc avec cet Allemand, en tout de 800 grammes environ de cannabis. Le contrôle s'est passé à la douane. On avait à peu près la moitié, 400 grammes chacun environ. Lui, il les a détenus dans ses chaussures, enfin ma grande surprise, parce qu'il devait l'avaler normalement, et moi je l'avais dans l'estomac. Donc en fait, je me suis retrouvé arrêté parce qu'il a été arrêté premièrement. Et en fait, il m'a dénoncé en disant que je voyageais avec lui. Donc voilà, pour environ à peine 800 grammes de cannabis, j'ai eu 4 ans de détention. Premier temps, c'est le numéro, c'est-à-dire perte d'identité. C'est maintenant, je m'appelle 4182. Parce que je suis arrivé à Fuchū, en la première semaine, on doit apprendre notre numéro en japonais parce qu'on doit rentrer dans le système, se familiariser avec le japonais et puis apprendre la discipline et le règlement, c'est-à-dire les marches. Le plus difficile, je pense, que c'est de se familiariser avec le japonais. Et la formation, elle est longue, elle se fait sur des mois.
Disons qu'il y a un code, il y a un code à avaler qui est un bouquin qui fait au moins 40 pages avec tous les, tout ce qu'il faut respecter à l'intérieur de la prison, les exercices qu'il faut faire, les gestes que l'on va faire. Extrait du règlement de la prison de Fuzhou, avant-propos. À dater de ce jour, vous êtes incarcéré à la prison de Fuzhou. Ici, plus de 2000 personnes purgent leur peine et doivent vivre ensemble. C'est pourquoi l'ordre et la discipline doivent y régner. Il est en effet impensable que chacun en fasse à sa guise. C'est dans cet esprit que les règles, qui sont plus nombreuses que celles de la vie normale, ont été définies. Cette brochure explique ce qu'il faut savoir et respecter pendant le séjour carcéral. Pour vous éviter des problèmes, il vous appartient de lire ce document jusqu'à la fin. Je souhaite que cette brochure vous permette d'effectuer un parcours sans encombre et que lorsque vous quitterez cette prison, vous serez devenu une personne socialement normale. La prison de Fuzhou a été créée à l'origine pour accueillir les récidivistes, c'est-à-dire des personnes qui ont été condamnées plusieurs fois. Et donc les gens que l'on reçoit ici sont en quelque sorte triés sur le volet. La population carcérale de la prison de Fuzhou se décompose actuellement de la façon suivante. Un peu moins de 500 étrangers, 400 cas dits pathologiques, 900 cas liés à la toxicomanie et 840 cas issus de groupes criminels organisés plus connus sous le nom de Yakuza, la mafia japonaise. Le nombre moyen de condamnations par prisonnier est de 5,1 condamnations et le record est de 40 incarcérations. De ce fait, la spécificité de la prison de Fuzhou est d'accueillir de tout le Japon les cas les plus difficiles à traiter. Donc l'organisation dans la cellule, elle est très stricte. C'est-à-dire, bon, à l'époque où moi j'étais, on était 300 étrangers. Le gardien, quand il regarde à travers la porte vitrée, il doit voir les mêmes images dans chaque cellule avec la position des mêmes objets et du détenu. C'est-à-dire que l'on n'a pas le droit d'être debout, déjà. Ça, c'est interdit. D'allonger ses jambes sur le tatami, c'est interdit. C'est position de lotus. Il est absolument interdit d'appuyer son dos contre le mur. Il est interdit de regarder par la fenêtre. C'est-à-dire on doit être à l'intérieur de sa cellule, à son poste de travail, sur sa table, et être occupé à une activité intellectuelle, c'est-à-dire travailler la langue, lire, mais absolument interdit d'être oisif. En résumé, la prison de Fuzhou est l'une des plus importantes en termes d'effectifs. Et d'autre part, c'est celle qui reçoit aussi le plus grand nombre d'étrangers. La capacité de la prison de Fuzhou est de 2600 places. Mais aujourd'hui, nous avons environ 2300 prisonniers.右向け右。
L'effectif de personnel travaillant ici est de 550 personnes, dont 360 en contact direct avec les détenus. Le traitement de la prison de Fuchu n'a rien de particulier, parce qu'au Japon, la prison vise essentiellement la réhabilitation des individus. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans un premier temps, de les priver de liberté, puis de réduire leurs tendances criminelles, pour enfin les réinsérer au mieux dans la société. Notre rôle ici est de les aider, et notre principal objectif est de les empêcher de récidiver. Extrait du règlement de la prison de Fuchu. Chapitre 2. Règlement général. Petit 1. L'égoïsme n'a pas sa place dans la vie en groupe. Petit 2. Il faut faire preuve de politesse et de respect envers les autres. Petit 3. Il faut mettre à profit sa détention pour réfléchir sur ses actes passés et faire des projets d'avenir. Petit 16. Il faut toujours suivre les ordres du gardien, même s'il n'en est pas fait état dans cette brochure. Là, il y a un code très strict où le matin, il y a la distribution des repas. Tout est minuté et secondé. L'appel, où on dit son numéro, le repos où on refait son lit, qui est plié comme à l'armée, tant de centimètres sur tant de centimètres, la serviette qui ne doit pas dépasser d'un centimètre d'un bord, les étagères rangées, il est absolument interdit d'aller toucher au robinet d'eau, il est interdit de se laver les dents à l'extérieur des données. Tout est vraiment structuré et minuté dans les faits et dans les gestes. Extrait du règlement de la prison de Fuchu. Chapitre 7. Le travail. Premièrement, obligation de travail. Le travail est l'aspect le plus important de la vie du prisonnier. Même dans la vie sociale, travailler apparaît normal et fondamental. La loi oblige le détenu à accepter le travail qui lui est assigné. C'est pourquoi, même si le travail assigné ne correspond pas aux souhaits du détenu, il doit néanmoins travailler consciencieusement et avec ardeur. Le refus de travailler, la nonchalance au travail ou le fait de demander à changer de travail sont des actes qui vont à l'encontre de cette obligation et qui, par conséquent, sont hautement répréhensibles. Le travail étant imposé par la loi, il appartient au détenu de faire les efforts nécessaires et de rechercher du plaisir dans son travail. はい、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 
travaille 7 jours sur 8, 8 heures par jour. Donc à partir du moment où on quitte la cellule, on part au pas militaire avec un gardien qui escorte. Changement de tenue qui dure à peu près 1 minute 30. À chaque fois, bien sûr, on est recompté, on se resignale par son numéro. Avant de commencer, il y avait des maximes à réciter. Il y avait 5 principales maximes. Être honnête, être en harmonie avec son entourage. Après, chaque personne réintègre son poste. Et là, il y a le capitaine et le maître de cérémonie qui est sur son estrade, qui est le gardien principal. C'est-à-dire qu'il y a un gardien pour 80 personnes. Donc, dans chaque unité de travail, on était à peu près 3% d'étrangers. À partir de ce moment-là, une fois que le signal est donné, c'est le rendement. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait est enregistré, son rendement de travail est enregistré, sa tenue. Bien sûr, il est absolument interdit de faire un geste, de regarder par les fenêtres, soit de discuter avec son voisin. C'est vraiment, on doit produire. Avec la condamnation de prison, on est obligé, c'est travaux forcés, on est obligé de travailler. Il est absolument impossible de passer outre ces mesures. Il est interdit d'être oisif dans une cellule, d'ailleurs ça n'existe pas. On est formé pour le travail, pour devenir quelqu'un de productif. Le travail obligatoire, ce n'est ni des travaux forcés, ni de l'esclavage. On leur enseigne des techniques et à travers cela, ils acquièrent les connaissances et la pratique nécessaires à l'exercice d'un métier. Il existe beaucoup d'activités pour les prisonniers. Il y a de la menuiserie, de la couture, de la maroquinerie, de la chaudronnerie, de la mécanique auto, etc. Au Japon, les prisonniers ne touchent pas de salaire. Mais à présent, en fonction de leur production et de leur conduite, ils touchent une prime de gratification payée par l'État. Le salaire est symbolique puisque moi, au bout de 2 ans, je gagnais 40 francs. Et ces 40 francs étaient réinjectés dans le système de la prison. On payait nos brosses à dents, le savon, le dentifrice, le papier pour le courrier. Parce que, disons que la première semaine est quand même intensive. Parce qu'en fait, on apprend tout, à se tenir, à marcher, à s'asseoir, à manger, à saluer. On apprend le respect envers l'officier, le respect envers nos co-détenus. On doit tout réapprendre, on est obligé de rentrer dans un système. Dans le système de cette prison, le système militaire, le système culturel, parce qu'on apprend tout
On doit faire face à cette culture. Nous allons vous expliquer les règles de la vie ici. Elles sont très importantes. D'abord, on va vous expliquer la nourriture. C'est sans doute ce qui vous préoccupe le plus. Il existe trois menus, menu A, menu B, menu C. Le menu A contient 1650 kcal. La quantité de nourriture est calculée en fonction du travail du prisonnier. Par exemple, pour ceux qui travaillent beaucoup ou restent longtemps debout, on leur donne le menu A. Pour ceux qui travaillent assis sur les ordinateurs, par exemple, on donne le menu B. Pour ceux qui travaillent dans leur chambre, au pliage de papier, par exemple, on donne le menu C. Ici, à la prison de Fuchu, il y a aussi beaucoup de prisonniers étrangers. Et donc, à ceux pour qui l'aliment principal est le pain, et à ceux qui ne peuvent pas manger de riz, on donne du pain. Alors le déjeuner, donc midi moins le quart, on arrête les machines, contrôle de que tous les outils soient à leur place, on se met en rang, et donc on va s'installer dans le réfectoire, et là on a un quart d'heure pour manger, avec interdiction de parler bien sûr. Donc ça se passe, le bruit c'est juste la mastication des mâchoires, comme les Japonais savent très bien le faire. Fin. Non, je n'ai pas eu. De toute façon, c'est pas la principale source d'inquiétude, la nourriture, parce que je crois qu'au bout d'un moment, ça sort de la tête. D'ailleurs, c'est pas très bon. Hein. Je veux dire, la nourriture, c'est du sapin de coup. C'est du basique, on mange parce qu'il faut manger. Normalement, il y a la quantité nécessaire, mais c'est pas primordial, quoi. Je veux dire, c'est pas l'inquiétude essentielle. Il y a ce qu'il faut pour manger, c'est tout. Donc, quand le repas est terminé, on vide ces bols. Bien sûr, il est interdit de gaspiller. Après, on a 8 minutes où l'on a l'autorisation de discuter entre nous à voix basse. Mais bien sûr, sans se lever, sans bouger à l'intérieur du réfectoire. Une fois les 8 minutes passées, mais on réintègre son poste, avec bien sûr toujours la même histoire, numéro, contrôle. On arrive et que l'on voit ce système, ça surprend parce que on se dit mais je deviens un robot, je suis formé pour être un robot, je n'ai plus d'identité, je ne porte plus de nom, je n'ai qu'un numéro, tourne à droite, tourne à gauche, va tout droit, plie ton métal, soude, marque combien t'as soudé, voilà, on est réduit à être un robot.
c'est dur, parce que bon, c'est une perte de temps, c'est une lutte quotidienne. Il faut l'accepter. C'est dur pour faire face à la solitude, faire face au manque de communication quand même. Il m'arrive des moments de craquer, il m'est arrivé de pleurer au départ. Parce que bon, par rapport au manque, par rapport à la solitude, par rapport à accepter ces conditions, accepter de perdre 4 années de sa vie, ou puisque c'est 4 ans pour moi, mais bon, il y a d'autres détenus qui ont pris la vie, hein, qui ont pris la vie pour meurtre, il y a d'autres qui prennent 10 ans, 8 ans, tout dépend, enfin, ça dépend de chacun. Mais si, il m'arrivait de craquer, oui. Mais c'est une lutte, c'est un effort, c'est une méditation, c'est aller de l'avant envers soi. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est de voir qu'il y avait un gardien pour 100 détenus. Alors qu'à l'intérieur, ce sont les Yakuza, les gens les plus dangereux, la mafia japonaise. Pour les outils, on vérifie tout. Et le système d'emprunt fonctionne très bien. Et donc, personnellement, je ne me suis jamais senti menacé ici. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a ici beaucoup d'outils dangereux qui pourraient servir d'armes. Mais ici, c'est la confiance qui prime. Je fais confiance aux prisonniers et eux me font confiance en retour. Il y a très longtemps que nous n'avons pas eu d'incident, de violence ou même d'évasion, parce que le personnel applique très rigoureusement le règlement. On se préoccupe aussi beaucoup de l'état psychologique et affectif des prisonniers. On peut avoir ici des prisonniers qui ont commis des crimes pour des raisons liées à un état mental pathologique. Et je trouve donc très positif que nous ayons des gens pour traiter ces cas-là. Lorsqu'il y a des prisonniers que l'on est obligé d'entraver, je surveille leur santé car souvent ils font la grève de la faim. Le règlement est très dur, hein. Le règlement dans la prison, il ne pardonne pas. On ne peut pas passer outre parce qu'il y a des sanctions qui sont telles qu'on n'a pas le choix. Si on ne suit pas ces directives, on part dans des cellules d'isolation où on se retrouve ce qu'on appelle Shobat, donc qui est le système de punition. On l'explique où pendant 6 mois, on va se retrouver à regarder un mur. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus droit au courrier, on n'a plus droit à la lecture, on n'a plus droit au sport, on n'a plus droit au minimum de communication que l'on avait. Donc ça, c'est ce qui permet de tenir un peu dans la prison, c'est ce minimum de communication. Si on supprime cela, donc le cap à passer au-dessus devient de plus dur. D'autant plus que si on fait une erreur, la liberté conditionnelle est supprimée aussi. C'est un système militaire et on doit accepter sa discipline. Et le plus gros, le plus dur pour moi, c'était la solitude. La punition la plus sévère consiste à méditer toute la journée, assis, genoux serrés.
Pour ceux qui n'acceptent pas le règlement, la punition la plus légère, c'est l'avertissement verbal. Et à partir de là, il y a 10 échelons de punition. Plusieurs magazines, dont Time et Der Spiegel, ont publié des articles très virulents sur la prison de Fuchu. Ces articles se fondent essentiellement sur des témoignages d'anciens détenus qui poursuivent en justice l'État japonais en raison des traitements subis durant leur détention. Amnesty International s'est saisi du problème et écrit à ce sujet. Comme d'autres organisations indépendantes de défense des droits humains, Amnesty International n'a pas été autorisée à se rendre auprès des prisonniers pour vérifier leurs allégations de mauvais traitements. On a également empêché l'organisation d'inspecter les cellules de protection, le quartier de la prison où des châtiments abusifs seraient appliqués. En effet, le secret qui entoure tous les aspects de l'administration pénitentiaire au Japon contribue à offrir un terrain propice aux violations des droits humains. Nous n'avons pas non plus été autorisés à filmer ni à visiter ces fameuses cellules de protection appelées Hogobo. Le Hogobo n'est pas une punition. C'est une cellule dite de protection. Pour y être assigné, il y a certaines conditions. Par exemple, ceux qui hurlent tout le temps, ceux qui ont des comportements violents, ou ceux qui ont des tendances suicidaires, on les place dans les Hogobo, pour leur propre protection. Le Hogobo n'est donc pas une punition. La seule façon de s'évader à l'intérieur de cette prison, étant donné qu'on va passer 8 heures sur son travail, c'est de bosser. De bosser et de ne pas réfléchir. Personne n'est armé. Il y a juste des bâtons. C'est-à-dire que bon, tous les gardiens sont au minimum ceinture noire de kendo ou d'aïkido. Tout le monde maîtrise les arts martiaux dans cette prison. Mais il n'y a pas d'armes, non. Il n'y a pas de pistolet. Il y a juste des matraques. Non, je n'ai pas eu de sentiment de peur. Je n'ai pas éprouvé de peur. C'est pas de la peur, hein. L'angoisse, oui, mais pas de la peur. Personnellement, je me sens pas du tout en danger. Non, je crois que, comme je disais, bon, le système français est civil, le système japonais est militaire, et le grand avantage, enfin. Un des grands avantages de ce système militaire, c'est vrai qu'on nous demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, mais nous avons la sécurité. À Fuchu, j'ai le grade de lieutenant et j'occupe le poste d'instructeur. Les relations entre les prisonniers et moi, même si parfois il est difficile de parler de relations, sont à mon sens des relations humaines. Il y a une relation de confiance, mais cette confiance doit s'accompagner de vigilance. Je ne porte pas d'armes. Je vous montre ce que j'ai. Par exemple, ça, c'est un kebo. Il y en a aussi en bois. On ne l'utilise que si un prisonnier nous attaque avec une arme. Avec ça, on a le droit de frapper qu'à partir de l'épaule, jamais à la tête. Je ne considère pas cela comme une arme, mais comme un instrument de défense.
Je le porte tous les jours, mais en 18 ans, je ne l'ai jamais utilisé. Et je n'ai jamais vu de collègue l'utiliser non plus. Les trafics à l'intérieur de la prison, ça n'existe pas. On est contrôlé en permanence. Dès qu'on sort de la cellule, on est mis à nu, on est réhabillé, on est recontrôlé. Les cellules sont fouillées pendant que l'on est à l'usine. Les gardiens investissent les cellules, les fouilles font en comble. On n'a même pas le droit de garder les lettres que l'on reçoit plus de 10 jours. C'est-à-dire, tout est contrôlé. On ne reçoit absolument aucun colis de l'extérieur. Les seules choses que l'on reçoit sont des choses qui sont données par les gardiens et les responsables de la prison. Les outils, c'est quasiment impossible de les sortir, puisqu'il y a le rituel à chaque fois à la fin du travail. Donc s'il y a quelque chose qui manque, ça saute à l'œil de suite. C'est une discipline, ça devient un rituel. C'est-à-dire la contrainte, comme les moines quand ils se lèvent tous les jours à 4h du matin, qu'ils mangent un bol de riz. Au début c'est peut-être une discipline, mais à la fin ça ne doit plus en devenir une. Pour moi, marcher ou pas, lever les gens, oui, si ça leur faisait plaisir, je levais les bras, les jambes, mais bon, dans ma tête, mon cerveau il était là, et puis il pense à autre chose, et puis il fait avec, et il compatit, et il analyse, et... Il vit avec cet entourage, c'est pas le pire, marcher ou pas. Moi j'en rigolais, enfin à la fin, on disait tiens, c'est Fuchu Disco, 1, 2, 3, on fait le pas, on va à la discothèque. C'est à la fin, même on plaisante avec. Persécutions sur des individus, s'il y en a, elles sont provoquées par le détenu. Dans la prison, il y avait des détenus donc, qui tous les 4 matins sont en train de se plaindre de leurs conditions. Alors c'est donc les gansen, parce qu'on remplit les gansen. Alors ces gansen, c'est la nourriture est pas bonne, on travaille trop, on devrait dormir comme ci, on devrait faire ça comme ça. Ce sont des gens qui veulent refaire le règlement à l'intérieur de la prison. Mais celui-là, on va lui renvoyer la balle. Et donc, en retour, ce qu'il va recevoir, ça va être tes persécutions. La loi dit que l'on peut, mais le résultat est que ça va pas être ça. Non, le plus difficile est passé. Je veux dire qu'après, ça devient une routine. Une fois qu'on arrive à... Tout d'abord, il faut s'accepter. Il faut accepter sa condition. Il faut accepter qu'on a commis une erreur. Et qu'on est là pour réparer cette erreur. On a commis cette erreur dans un pays étranger, on doit accepter sa culture et ses conditions de détention. Et donc maintenant, le plus difficile est passé, c'était le premier mois, je pense. La première semaine, puis le premier mois. Et après, bon, tout dépend de la volonté de chacun. Si on veut vraiment rentrer dans le système, et afin de sortir le plus rapidement possible, afin de se donner le maximum de chances de tenir notre parole, c'est de s'intégrer dans le système et de rentrer dans les conditions qui nous sont demandées. Les prisonniers étrangers sont tous en cellule individuelle. Seuls les détenus japonais sont par cellule de 4 à 7 lits. La situation est acceptable. Il faut vouloir l'accepter. Si on ne veut pas l'accepter, elle devient très dure, elle peut être très pénible. Elle peut être très pénible parce que bon, elle est militaire, elle demande une certaine rigueur. Et il faut l'accepter. La meilleure façon de s'en sortir, c'est d'accepter. Extrait du règlement de la prison de Fuchu, chapitre 6. Grade et possibilité d'avancement. Dans cette prison, il existe un système particulier de grades et de possibilités d'avancement. La conduite du prisonnier et son mérite au travail sont récompensés par des avancements de grade qui sont au nombre de 4.
Plus le prisonnier est gradé, moins les règles le concernant sont rigoureuses. En même temps, il acquiert plus de liberté, mais également plus de responsabilité dans sa conduite et ses actes quotidiens. Le règlement est fait qu'on contrôle l'individu de A à Z, on contrôle ses pensées, on contrôle ses envies, on contrôle, voilà, on contrôle son cerveau. Les gardiens ne sont pas là pour nous dévaloriser, non. On n'était pas copains, mais je veux dire, il y avait une relation humaine. Le gardien me saluait, je le saluais, il y a quand même ça. Bon, après j'ai un numéro, ça c'est le code, c'est la prison. Mais je veux dire, il n'y a pas de persécution, vraiment, je devais te mettre plus bas que terre ou quoi que ce soit. C'est pas, non, moi j'ai pas ressenti ça. J'ai pas eu ce genre de relation toujours, hein. Non, dans le règlement, il y a un côté positif. Parce que le règlement explique que ce n'est pas parce qu'on est en prison que l'on doit perdre son temps et que l'on doit se sentir justement dévalorisé. Le règlement stipule qu'au contraire, il faut positiver. Il faut essayer d'être créatif. Bon, créatif, c'est un bien grand mot, mais d'être quand même, de se sentir exister. Extrait du règlement de la prison de Fuchu. Chapitre 9. Enseignement et bibliothèque. Pendant votre incarcération, il faut bien vous former psychologiquement, autant qu'acquérir des connaissances au travers d'études, de lectures et de services religieux, afin de devenir une personne à part entière de la société. Le principe du système de traitement pénitentiaire japonais fait aujourd'hui face à de nombreux problèmes. L'un d'eux est l'augmentation importante de prisonniers étrangers. En ce qui concerne les étrangers, le délit le plus courant est le trafic de marijuana. La deuxième raison d'incarcération est le meurtre. Ensuite viennent le trafic d'héroïne et le vol. Et enfin, le cambriolage. Notre travail principal est la traduction et l'interprétation de tout ce qui concerne les détenus étrangers. Extrait du règlement de la prison de Fuchu, chapitre 13. Visite et courrier. Petit 3. Le courrier, au départ comme à l'arrivée, est soumis à la censure. En conséquence de la censure, les phrases contraires au règlement sont effacées et la transmission du courrier peut être refusée. Les lettres refusées sont rendues à la sortie de la prison, mais il peut arriver qu'elles soient directement détruites. Si l'on compare les comportements entre détenus japonais et détenus étrangers, je ne vois pas de différence. Les détenus étrangers ont un choc culturel au début à cause des différences d'usage, de coutumes, de religion, de langue. Nous essayons de résoudre ces problèmes dans leur langue. Pour moi, un bon détenu, c'est celui qui ne récidive pas. Qui pour cela s'est forgé une conscience et un esprit fort. Non, j'ai pas perdu de temps, non. Non, je crois pas. Enfin, deux ans, non, j'ai pas perdu mon temps. C'est moi, je le conçois un peu comme on en tire toujours quelque chose. Je compare un petit peu quand je réfléchis, quand on voit les moines bouddhistes qui ont passé 6 ans, 7 ans en cellule d'isolement et qui ressortent avec une certaine philosophie, une certaine vision de la vie et qui avancent vers autre chose. Pour moi, 2 ans, c'est 2 ans de ma vie, mais justement, j'ai essayé d'apprendre et d'en tirer une grande expérience. Moi, je l'ai pris comme une vie monastique. J'ai l'impression de surmonter, oui.
Et je vais faire en sorte de le surmonter. C'est une construction intérieure. Je veux sortir plus fort et lutter, je veux vaincre. C'est une lutte intérieure. Les Jeux Olympiques de Fuzhou. Alors les Jeux Olympiques commencent par une sélection. Donc pendant la demi-heure de sport que l'on a sur la semaine, il y avait 3 jours donc de sport, 3 demi-heures dans la semaine et 2 douches d'une demi-heure. Donc voilà. À partir de là, l'on va déterminer les gens qui vont participer à ces rencontres inter-usines. La préparation psychologique qui se fait aussi pendant les heures de sport. Donc il va y avoir le gardien qui va motiver, entraînement forcé, chronométrage, inscription des temps, et puis on joue le jeu parce que c'est le jeu de jouer. On ne le fait pas en dilettante, on essaye de le faire vraiment comme si on était un sportif de haut rang et de se donner à fond aussi dans l'épreuve sportive. Donc on prend ça vraiment à cœur et très au sérieux, même si à la fin on gagne une savonnette ou une brosse à dents. Ça c'est la règle primordiale chez les Japonais, pour quoi que l'on fasse, il faut savoir se donner, il faut savoir donner de soi. L'année dernière, c'est notre unité, la numéro 22, qui a gagné. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a oublié l'émotion de l'année précédente. On s'est beaucoup entraîné et je les ai aussi préparés mentalement pour gagner aujourd'hui. La prison de Fuzhou m'a transformé, je ne sais pas. Elle m'a apporté cette rigueur, déjà une discipline avec moi. Elle m'a appris à méditer, elle m'a appris à faire face, à être plus fort, à faire face à la solitude, à m'éduquer, à étudier également, parce qu'on est libre d'étudier. J'ai appris le japonais, j'apprends le japonais régulièrement. On peut apprendre n'importe quelle langue. Elle m'a apporté une rigueur intérieure, je veux dire. Je pense que, de toute façon, ça m'a apporté une étape dans ma vie et je suis rentré, je ressortirai différent, tout à fait, c'est sûr.
Elle m'apporte une structure. Enfin, je veux dire, une structure, oui. Une discipline, une structure, un assainissement. Un assainissement, bon, ça a été dur, hein, je veux dire. Il y a eu des hauts, des bas, mais une maîtrise aussi, une maîtrise un peu de... Maîtrise de soi, de son tempérament, de sa façon d'être, à apprendre à contrôler ses nerfs. J'ai essayé plus de le voir dans cette optique et d'assimiler le règlement, justement, ou qu'il y ait le moins possible de souffrance. Qui ? J'ai choisi ce métier parce que je voulais aider les gens. Dans ce métier, il y a deux grands objectifs. Retirer des gens de la société pour la protéger et réhabiliter ces gens en même temps. L'objectif dont je vous parle est donc d'enseigner aussi aux détenus d'autres façons de penser pour qu'ils puissent se réinsérer. Si par exemple un détenu fonde une famille, éduque un enfant, la relation humaine que nous avons élaborée construit le futur et se poursuit à travers le temps. J'aime vivre au jour le jour. J'ai pas pensé au futur, je ne pense pas au futur. Je vis au jour le jour. Maintenant j'envisage un futur, j'envisage une stabilité. J'envisage de construire un foyer et de retrouver ma famille. Ouais, avoir un foyer, une famille. Et oublier, enfin, mettre cette partie de ma vie entre parenthèses et la mettre de côté. Et peut-être entrer dans des normes. Dans des normes, voilà, c'est ça, rentrer dans des normes. Et peut-être que j'étais plus ou moins ce qu'on peut appeler marginal. Je ne sais pas. Tout dépend à quelle définition on se donne. Enfin, chacun donne une définition à la marginalité. Mais j'étais peut-être plus ou moins marginal. Je vais mettre une fin à tout ça et rentrer dans une stabilité. Enfin, c'est difficile d'exprimer tout ça, c'est tellement de choses. Et puis penser au futur encore, c'est dur de penser au futur quand on est emprisonné, quand on a encore du temps, on a encore un an, deux ans à faire, ou trois ans, penser à demain. Il y a un changement, c'est quand je suis rentré, quand je suis sorti. Oui, il y a des choses qui ont évolué en moi. C'est évident, quand on passe deux ans dans une prison japonaise, il y a aussi une transformation. Et justement, cette transformation, il fallait qu'elle soit du bon côté et non pas du mauvais côté. Donc l'évolution, oui, c'était mieux se comprendre, mieux se gérer, mieux se contrôler, être moins naïf, être, quand on sort, fort et être prêt, ne pas être... perdre ses repères quand on va se retrouver tout d'un coup dans l'autre monde. Mais bon, ça, une fois qu'on a passé ce cap dans la prison, je pense qu'à l'extérieur, c'est plus un problème. Extrait du règlement de la prison de Fuchu, chapitre 10. Conduite et récréation. Troisièmement. Activités sportives et rencontres festives. Petit B. Afin de divertir et de rendre la vie plus agréable, mais aussi pour développer le sens de la discipline, l'esprit d'entente cordiale et le sens de la responsabilité à travers des activités collectives, sont organisées régulièrement des séances de cinéma et de théâtre, ainsi qu'une fête sportive. Il est donc recommandé d'y participer activement. Petit C. Avis aux participants. Pendant les fêtes, il est interdit de commettre des inconvenances telles que des huées, des applaudissements, des rires et des cris excessifs. Allez,
Les autorisations de tournage ont demandé 2 ans de négociations auprès du ministère de la Justice japonais et de l'administration de la prison de Fuchu. Si lors de cette négociation, nous avons refusé formellement de soumettre le film à une quelconque censure, nous avons par ailleurs accepté d'ajouter en épilogue 3 minutes de droit de réponse, au cas où l'administration pénitentiaire japonaise se sentirait injustement dépeinte dans notre film. Je voudrais faire quelques commentaires pour qu'il n'y ait pas de malentendus avec le public. Au début, il y a ce témoignage de l'ancien prisonnier français, mais entre ce qu'il raconte et la réalité, il y a une distance. Il y a presque 10 ans qu'il est sorti et depuis, beaucoup de choses ont changé. Et même lorsqu'il était encore en prison, les choses n'étaient pas exactement comme il le raconte. Il y a des exagérations et des malentendus. Nous sommes gênés que vous croyez tout ce qu'il raconte. Il y a un grand malentendu lorsqu'il dit qu'il ne peut pas étendre les jambes sur le tatami ou qu'il ne peut pas utiliser le robinet à sa guise et qu'il ne peut pas se brosser les dents librement. Il dit qu'il doit plier son futon comme à l'armée, qu'il doit marcher comme à l'armée. Il emploie beaucoup le terme d'armée, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit le mot adéquat. La maîtrise de soi, la discipline et l'ordre matériel sont essentiels pour pouvoir vivre en groupe au Japon. Ce comportement est même obligatoire dans les écoles et dans les entreprises. Cela n'a aucun rapport avec l'armée. Il associe aussi travailler sérieusement à travailler comme un robot, mais il n'y a aucun rapport entre être un robot et se concentrer sur son travail. Et je pense que même dans les entreprises privées, le bavardage inutile est interdit. En plus, développer des habitudes sérieuses de travail est indispensable pour devenir un bon citoyen. En tant qu'officier de cette prison, il est normal de les former de cette manière pour leur permettre de se réhabiliter. Pour finir, il est vrai que si l'on compare la prison japonaise avec la prison occidentale, notre prison peut paraître très rigide. À l'intérieur de la prison, il y a beaucoup de hors-la-loi. Pour maintenir la discipline, la sécurité et l'égalité entre les prisonniers, il est nécessaire d'appliquer des règles très rigides. Une bonne discipline permet aussi une éducation et un traitement efficace des prisonniers en vue de leur réintégration dans la société. Les officiers de la prison ne portent pas d'armes. Malgré cela, la plupart des prisonniers suivent les règles. Il n'y a pratiquement jamais d'incidents tels qu'évasion, mutinerie, viol ou meurtre. De fait, les officiers traitent les prisonniers de manière attentionnée, même si le traitement est rigoureux. On y arrive aussi parce que les officiers prennent soin de la santé des prisonniers. On attache beaucoup d'attention aux conditions de vie, telles que les vêtements, la nourriture, l'espace de vie, la santé et l'hygiène. Je voulais attirer votre attention sur tout cela. L'administration de la prison de Fuchu nous a par ailleurs demandé de préciser que quelques mois après le tournage, certaines pratiques avaient cessé, et que par conséquent notre film n'était plus une représentation fidèle de la réalité. Notamment, la récitation des 5 principes répétés en chœur au début et à la fin du travail n'aurait plus cours. De même, la discipline se serait assouplie, et lors des déplacements, les détenus ne seraient plus tenus de balancer les bras à 90 degrés, mais seulement à 45 degrés par rapport à la verticale. Depuis sa sortie, Philippe a repris ses voyages. Il vit maintenant de ses reportages photos et de sa connaissance des minorités chinoises. Il recherchait dernièrement des vêtements brodés anciens pour le compte d'un musée parisien.
Cyril est sorti presque un an jour pour jour après notre interview. Il aura passé à la prison de Fuchu 2 ans, 10 mois et 3 jours. À notre dernière rencontre, il nous a dit que désormais tout irait bien pour lui.